Oh là là, il y a un orage de dingue. Regardez le ciel, comment il est. Et des éclairs. Waouh. Ce sont des images rares, Ahmed. Hein? Tu viens au bon moment. Ce sont des images rares. Ouais, qu'elles sont en train de jouer calmement. Donc les filles sont en train de jouer. Vous jouez à quoi? Vous avez choisi quoi, les filles? Le jeu de cette famille. Alors, les jeux de cette famille, de chez Namla and the Bees. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et j'ai toujours un code promo. C'est Hasnabé, je crois, ou Hasnabé pour 10%. Et alors, ce qui est sympa, comme je vous disais sur Instagram, c'est qu'on a notre famille dedans. Est-ce que tu as notre famille? Grand-père. On a la famille. C'est quoi ce qui sort? Tu essaies de lire? Grand-mère. La grand-mère, en arabe, c'est El Jedda. Jedda. C'est grand-mère. Jedda. Est-ce que j'ai une famille? Et alors, je vous disais, en fait, on a... Attends. Vous voyez, on a notre famille. Voilà, il y a Mariam qui est ici. Rania. Il y a Haroun, papa, maman, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais... Fils. Oui, j'ai une famille. Non, une famille. La fille, c'est pas la sœur. Petit colis. Hop là. Ok, Haroun est en train de dormir, donc on va en profiter pour travailler un petit peu. Là, tu dessines plus rien, Rania. On va continuer, maman, elle va vous expliquer ça ici. T'as vu, j'ai dessiné. Ok, posez vos crayons. Posez les crayons, les filles. Mariam. B4. Donc en gros, ici, j'ai les ingrédients secs. J'ai 190 g de farine. Donc pour ma part, c'est de la farine complète. 4 cuillères à soupe. De levure chimique, pardon, une pincée de sel. Et ici, on a les ingrédients wet, mouillés, les ingrédients liquides. Donc, dans les ingrédients liquides, ici, j'ai 60 g de beurre que j'ai fait fondre, j'ai 310 ml de lait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un œuf et une banane. Donc, la banane, franchement, là, c'est parce que j'ai des bananes qui arrivent à maturation et qu'il faut consommer. Donc, du coup, j'ai ajouté une banane, mais habituellement, je ne mets pas de banane à l'intérieur. Je pense que c'est tout ce que j'ai mis. Oui, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement incorporer donc ce mélange dans celui-ci. Et je n'utilise pas de fouet, j'utilise une grande cuillère en bois. Je mélange et je vous assure que les pancakes sont délicieux. Okay. Recoucou. Voilà, on va se prendre en photo. Vous trouverez le post sur Instagram. Franchement, c'est une super jolie tenue pour la fête de l'Aïd, dans le style marocain, tiré par le Maroc. Voilà, donc on va aller bosser un petit peu après ça. Et je vais commencer à préparer le ftour tout doucement, en sachant que ça va être un truc très simple, un gratin complet avec des légumes, de la viande et un féculent. Comme ça, c'est fait. Bon, on y va, on va prendre des photos et on y va. Voilà, on a fini les photos, on a fini les vidéos. Hop, je vais vite me changer et on descend dans la cuisine. Ok, on est dans la cuisine, on va faire un petit gratin. Donc j'ai les pommes de terre qui sont déjà cuites à la vapeur. Ici les choux-fleurs, pareil, cuisson vapeur. Crème fraîche avec des œufs et j'ai ici mon poisson. Donc on va superposer tout ça, on va mettre du fromage râpé et direction le four. Voilà, j'ai mis ça au four. Je sais pas pour combien de temps, je vais surveiller. Je vais faire une petite salade de quinoa. J'ai du quinoa ici que j'avais fait hier, donc il m'en reste. Du coup, je vais couper un oignon tout petit, tomate et concombre. Je mélange le tout, un peu d'huile d'olive, citron, sel, poivre et le tour est joué. Donc, je viens de recevoir un email avec le dernier magazine du Petit Salem.
Je vous en avais parlé dans une vidéo, les filles. Les filles, venez, regardez ce que vous allez découvrir avec Papoute aujourd'hui. Waouh. Le... Ah, on l'a vu ce matin. PH, c'est comment ça se lit? PH, les filles. Oui, c'est bien, Vania. La... Non, le... 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 Farmaki... Non. Sien. Le pharmacien. C'est comme magicien, c'est vrai, ça finit par un. 10 minutes de découverte par jour. Je connais déjà tous les magiciens. Allez, madame, tu vas avec Papoute et après, maman, elle vous pose des questions pour voir ce que vous avez retenu. Bye. T'as pas entendu, papa? Bye. Moi, je vais lire mon courant avec Arun. Donc, on a commandé les bureaux pour les filles et il y a un petit souci, donc du coup. La personne est venue pour fixer tout ça. Je vous montre que quand on a reçu les bureaux, donc il y a un des pieds, vous voyez, qui est un défaut en fait. Qui est un défaut. Et alors l'intérieur était aussi... quand ils ont monté, ils ont fissuré. Vous voyez, ça fait vraiment... vous voyez, c'était un tout petit défaut à la limite. Mais là, franchement, je trouve que c'est trop flagrant. Vous voyez, par rapport aux autres pieds. Réveillée de la petite sieste. J'en ai profité pour dormir avec Arun. J'étais trop fatiguée et je me suis tombée. Voilà, on a l'avantage d'avoir une grande terrasse. Donc du coup, enfin, le problème, on n'en profite pas tant que ça finalement vu qu'il fait très chaud. Et là, il est bientôt 18h, donc du coup, là, on va profiter que le ciel est bien couvert pour jouer un petit peu dans la terrasse. Hello! Boum! Harun, tiens! Harun! Ballon, Harun! On va juste se quitter sur ma soupe que je viens de terminer. Ah oui, je l'ai faite le soir puisque demain j'aurai pas le temps de cuisiner, donc du coup ça me permet de m'avancer. Petite astuce. Merci Harun, je suis devant l'ordinateur, je vais faire un peu de montage. Répondre à mes emails, Harun, si Harun veut bien me laisser tranquille, et faire ma lecture. Et il sera temps de vous dire au revoir et à très bientôt pour un nouveau vlog. Harun, qu'est-ce que tu fais? C'est bye bye? Bye! C'est bye bye?